Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'est vendredi 10 décembre, nouveau prix produit pétrolier entre en application dans Pompio. Gouvernement a annoncé décision pour augmenter prix mardi 7 décembre passé à plusieurs mouvements protestation et observé une fois encore mardi 13 décembre dans plusieurs zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Dans Pétionville à Delma, protestataires ont croisé machine dans route, une situation qui a paralysé activité dans la zone sa yo pendant y est parti non journée. Nous avons annoncé une titre, ancien ministre justice et sécurité publique, la maître Ophélia Vincent, par répondre invitation lundi 13 décembre 2021 dans le cabinet instruction. Juge Gary Aurélien était invité dans le cadre d'enquête qui a mené sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Ancien ministre justice et sécurité publique, la maître Ophélia Vincent, demandé pour juge là a fait audition à travers appel la visioconférence parce qu'il n'y a pas de garantie pour sécurité. Selon information qui sortit dans le cabinet magistrat Gary Aurélien, personne n'a pas fait obstacle à enquête sur assassinat ancien président de la République, là, Jovenel Moïse. Juge Gary Aurélien, bah, garanti avant le temps, maître Rockefeller Vincent a bien pour répondre à la question la justice, Jean Laloi Mandista. Et puis, Dr. Mackenzie Guerrier, mort dimanche 12 décembre 2021 en République dominicaine, côté vital, prend soin de santé. Dr. Guerrier mourit après bandit exam, que l'ouvrier coup d'exam sur lui, samedi 4 décembre passé, sous Bois Venat, tout près clinique. N'attaque ça, il te recevoir plusieurs balles qui te rendent état santé grave en pile, ça qui t'est obligé de voyager pour tenter de sauver la ville. Docteur Mackenzie Guerrier, c'était Baptiste, ancien étudiant faculté odontologie, faculté côté l'État enseigné après étudiant. Mais c'est tout, papa, des petites filles. À 36 années, jeune docteur Mackenzie Guerrier déjà collaboré avec plusieurs institutions qui baillent soin de santé dans le pays. Complexe médical et fanta. En dessous. De façon spontanée, pas jamais même qui me parle, moi c'est vraiment d'accord. L'autre sorti pas malade, et pas même accident fait, c'est son individu qui décidait que lui-même, ou pas me voir vivre, de sauter d'autre. Et nous avons conseillé ça, qui est le docteur Pardi, et nous avons conseillé ça, qui est plusieurs collègues que ça, de cas, pour exemple, Pierre. Si on a remonté en 2004, pour toujours les gens jeunes professionnels comme ça, qui ont dit avant l'heure qui parti. Ça veut dire, Jean, docteur de Simiste, dit le matin, hein? Donc, nous avons dit son corps, nous sentons que la petite idée qui a perdu mon souffle dans le bagage. Donc, nous frappons dans nous, nous frappons dans nous, dans nous. Comment la décision est-ce qu'elle a pris été ou pas? Moi, c'est pas parce que peut-être pas la décision ça. C'est des décisions qui nous doivent réfléchir. Vu que nous-mêmes qui avons dit la priorité pour nous travailler, pour nous aider pays, nous, c'est des décisions qui nous doivent réfléchir. C'est parce que peut-être nous avons dit bon, voilà, voilà. Bien que chaque monde gagne une réponse personnelle pour le bail. Pour qui ça a dit pour le personnel, il y a un monde qui ne fait pas de jambes pour être dans le pays. C'est imposé, imposé, fondé, ça. Ça n'est pas de l'accord. Il y a un tout qui va nous former, qui plus ou moins indigène, c'est nationaliste, qui pas trop ça mal. Donc, chaque monde qui a le bien, il n'y a pas le plus difficile de demander de qui nous pour prendre la décision, aller ou parler. Mais seulement ça nous a dit nous-mêmes. Donc, nous, on a parlé à nous tristes, nous blessés. Parce qu'il a posé une question. Oui, nous frustrés. Et nous pas d'accord. Nous pas d'accord pour nous penser pendant nous parler, pendant nous crier pour le faire guérir, nous prenons deux mains là, ou bien tout à l'heure, ou quand nous venons, ou bien n'importe qui nous a victime pour ça. C'est pour ça, pendant nous crier, nous faisons ça, nous ne pouvons jamais nous dénoncer ce qui passe là et commencer à réclamer justice. Donc, si nous ne réclamons pas justice, c'est pas une justice qui fait à chaque fois sa faute. Et puis, l'idée, c'est toujours facile pour nous mettre, juste parce que nous juste parce que nous tenons, soit nous dépendons, nous pensons, nous dépendons,
nous résoudre par deux cartouches. Ok, juste parce que nous apporté dans le taxi et comme le taxi manqué, le chauffeur a gagné, parce que son pays, nous avons gagné, nous avons gagné, le chauffeur a fâché, c'est tué sur nous. Juste parce que on a un proche qui a passé, juste mal gardé, et bien on a parlé mal comprendre le petit. Donc, il faut que nous ayons dit non, il faut que nous ayons contrôlé dans le pays. Il faut que nous contrôlions le pauvre. Il faut la police pour responsabilité, il faut la justice pour responsabilité. Responsable Rotary Club Pétionville Sud, réalisé deuxième édition Journée Santé dimanche 12 décembre 2021 dans Centre Médico-Social Communautaire Thomas 125. Journée Santé, c'est une initiative qui prend un objectif pour bailler soins de santé à toute population thomasienne et spécialement si la yo qui est dans une situation difficile. C'est ça, une responsable Rotary Club Pétionville Sud là, docteur Stéphanie Auguste, fait qu'on est Nidra Emilias, Lydie Diodoré, quand prends-tu? Innocent, étudiant, pharmacien et résident qui sont dans divers hôpitaux et facultés, t'es présent sur le site dans 4 journées médicales. Docteur Stéphanie Auguste dit travail ça va le rendre jeune génération médecin ça yo vin plus proche population. Ancien ministre affaires sociales la promet y a continuer aider si la yo qui dans situation difficile. Une fois m'te lancé invitation appel là, t'es déjà gen plus d'une vingtaine qui t'es déjà dit mieux veulent venir et gen des médecins après au cours de qui vient joindre nous pas peut-être en 30 médecins et étudiants pharmaciens et vient joindre nous pharmaciens de l'université d'État d'Haïti et là nous t'attend en pig en foule effectivement mais quand même nous ouais plus d'une centaine de patients nous fait des pistages genre métabol se dit là de pour diabète que n'a fait suivi c'est pas un dépistage et puis mon la kali gon suivi continue mon n'a joindre médicament là nous fait dépistage tout j'en dis là pour VIH sida avec pré counseling post counseling nous toujours connait gain corona nous distribuer masque hand sanitizer lingette ça veut dire nous mettait toute équipe là et nous font bagarre pour nous mettre jeune génération en contact avec population puis ouais qui ça nous même nous c'est des exemples pour et qui j'en pour continuer pour faire de tout cœur ça veut dire là mon ka dit m'te ka gain 20 30 40 mais au fur et à mesure il y en relé l'autre yo fini ça intéressé yo et malgré difficulté qui gain pour gaz etc c'était de tout cœur trois moyen pas yo vinn rejoindre nous c'est notre deuxième édition parce que c'est deuxième année nous même penser n'a toujours fait activité à chaque année et des fois nous fait tout deux fois par année parce que nous gain au moins qui dédié à soin maman avec Timon à ce moment nous fin faire activité là côté nous faire vraiment dépistage cancer du col pour famille nous faire vaccination pour Timon ça veut dire n'a essayé qu'embé centre là vraiment en activité toute famille réunie nous gain YMCA qui aide nous pour nous dire que gain mon qui fait bénévolat on encourager yon l'autre faire bénévolat dans mesure que capable pour nous porter soin pour porter n'importe l'autre aide pour et communauté pour pays ambassadeur Chine Taïwan promet pour continuer travail à Rotary Club Pétionville Sud là dans l'idée pour améliorer conditions santé communauté. Je suis venu pour distribuer n'est-ce pas les sanitizers les cache-nez les wipes venant de Taïwan pour montrer n'est-ce pas, notre volonté de lutter contre cette pandémie en Haïti. Et parce que vous savez qu'à Taïwan, grâce à une bonne gestion de cette pandémie, on a pu assurer le développement économique. Donc là, je voudrais, à travers tous les moyens possibles, pour pouvoir accompagner Haïti dans cette lutte contre ce fléau. Il y a bénéficiaire pas caché satisfaction pour service yo di yo joine non centre médico-social communautaire Thomas 525 là. Moi te vini pour me consulter pour me joindre un médicament. Moi di merci avec tout le monde et docteur miss tout le monde qui était présent qui t'a prend soin nous. Me senti ça fait bien, me senti moins à l'aise. Moi remercie nous et me dit bon Dieu merci tout qui te ba nous opportunité que te ba nous santé pour nous te venir dans centre là et pour nous te venir faire tout ça dans centre là pour tout le monde te capable bien sorti moi content moi senti me content merci pour me consulter je ne médicament me consulter sa thérapie pour moi me content me dit bon Dieu merci m'a prié pour nous pour nous toujours retourner encore prochaine fois en plus nous besoin ça parce que des médicaments au baou ou de droit cadeau pas de quoi pour acheter.
nous avons mal ou bien autant jeune. Dépistage VIH, diabète, pré-caroncéline à caroncéline, ces diverses qualités de service population, tu vas 25 là, te recevoir dimanche 12 décembre là, dans le centre médico-social communautaire Thomas Saint. Marché pour la vie réalisé une journée réflexion avec même Lio dans l'occasion journée internationale de l'amour vendredi 10 décembre. Une date qui m'a connu avec premier anniversaire et scripti ça. Objectif journée réflexion ça, c'est permettre même association faire une évaluation sur situation de l'amour dans le pays. Et puis, venir avec PIB et stratégie pour continuer lutter pour respect de l'amour. Lionel Jean-Louis, Michel Joseph. Même jeunes garçons, jeunes femmes, dans différents secteurs, tels que secteur santé, secteur syndical, organisation populaire, secteur droits humains, personnalité, etc., nous sommes conscients que faut que nous prenions responsabilité nous pour nous dire que faut que nous suspendions mourir dans le pays. Pour ça, nous te dit que faut que nous marcher pour nous dire non à la mort, oui à la vie. Je dis, l'en a fait bilan. De ensemble de revendications, ça y est, que nous avons gagné, côté que nous avons passé par ensemble de droits qui a violé, massacre qui a fait, crime financier qui a fait dans le pays, ça, qui ça nous-mêmes comme jeunes nous proposer, si nous avons gardé le 10 décembre, année passée, avec aujourd'hui, jusqu'à présent, pas aucun changement qui fait, si nous tous les mêmes ensemble avec. Mais au contraire, il y a deux côtés, il y a la vie plus mal. Aujourd'hui, nous estimons qu'il faut nous réfléchir avec ensemble de groupes. Jeunes garçons, jeunes femmes, militants qui sont dans la rue, qui ont un ensemble de revendications, pour nous dire d'abord, même si on connaît, pour nous dire d'abord, un, ça ne gagne comme revendication, il y a beaucoup, nous avons beaucoup de solutions pour eux. Deux, il faut que nous continuions pour nous. Continuer la bataille, il faut nous réfléchir ensemble pour nous connaître nous-mêmes. Un, qui a dégagé la caille comme énergie, toujours en termes d'attente, et qui ça que nous avons gagné comme perspective pour 2022, pour nous continuer la bataille, ça désormais, ensemble de monde qui dit, que c'est chef d'un pays, ça, c'est autorité, que y a l'agent taxe qui a pris pour bon nos services, pour nous continuer à exiger de façon pacifique, faut que vous baillez service, faut que vous baillez sécurité, faut que vous campez kidnappé, faut que vous ensemble de procès, vous faites, pour ce que nous devons dire, que le massacre, que le procès est au Caïbe, etc. Faut que les conditions de vie nous changent, faut que jeunes femmes, jeunes garçons, bouquet quitter le pays, à dormir. Prends mon d'Ariane, prends forêt d'Ariane, aller en bas pour Texas, à humilier, soit États-Unis, Chili, Mexique, etc. Je veux dire, ce qui est évident, c'est que la situation est dégradée. Ouais, question de sécurité, question de mourir, question de massacre, question de droits humains en Haïti, c'est vraiment qui catastrophique. Et qui rôle que nous allons jouer? Nous même qui sont une plateforme qui gagne une organisation de droits humains, syndicats, tout ça, mais je veux dire, c'est le meilleur moment pour nous. Bail des indicateurs à la population, aux militants, et qu'ils même pour capable rentrer dans le débat. Donc c'était ça, je ne dis pas, son anniversaire qui a deux volets. Le premier volet, c'est rentrer citoyens dans le débat, et qui tape battant avec nous. Et deuxièmement, garder l'indicateur de l'Azimou, quelle est la meilleure approche pour que nous arrivions à changer les conditions de vie de nous. Et parce que c'est double approche ça que nous mettons accent sur lui. Je dis à l'occasion, pour mon anniversaire, marché pour la vie qui coïncidait avec la célébration de l'Azimou nationale des droits de l'homme. Et puis, Fondation Connaissance et Liberté, notamment avec l'École nationale des arts, organisé deux semaines d'atelier de formation pour renforcer les capacités jeunes tambourinaires. L'objectif là, c'est apprendre 10 rites traditionnels dans la question bat tabou. Formation ça a été lancée 29 novembre passé, bout le week-end passé à côté. Chaque participant a bénéficié d'un certificat. On suit. Nous enseigner 10 rythmes traditionnels qui ont disparu. Parce que l'atelier a deux parties, renforcement de capacité et puis aider à apprendre le rythme traditionnel que nous avons joué longtemps, que nous avons dansé longtemps, mais qui de plus en plus a disparu, que nous pas pratiqué encore, parce que tambourine n'a pas joué encore. Et puis danseur pas joué de monde pour battre tambour pour danser encore. Donc, il était important pour nous venir avec Ritsa à nouveau, pour nous faire yo, rejouer, yo, pour danser, yo, continuer à danser, yo, pour ne pas perdre la tradition. Tout formateur, mettez avec les gens qui travaillent tout ensemble avec nous. Nous content parce que le tambour, son bail est négligé en pile. Parce que quand pile bail dans la culture qui commence à perdre, il y a des rites, jeunes qui ne connaissent pas qu'on est. Je ne connais pas, nous-mêmes, nous arrivons à maîtriser nous. Et nous avons joué
barak sa li jeunes ram kounya c'est et Robert Josil qui font travail dans culture dans rite haïtien donc c'est dans ces rites une chronométrie et ça fait moi-même qui ça me devine parce que moi-même c'est méthode une bonne méthode que me baille l'on frappe en bois il dit mais ça mais non tout c'est son sec il bon son sec c'est son pointe cloche il bon pointe cloche c'est son pointé il bon pointé c'est son doucement bon doucement c'est son ouvert ou bien fermé il bon fermé donc c'est ça parce que une méthode que moi c'est dans l'école nationale des arts et nous faisons pile travail tout au niveau international la Suède aux États-Unis un peu côté en Angleterre que même si nous pas allé mais nous faisons zoom nous faisons nous travail Trinidad Tobago tout bas ça nous comptons en pile travail ça fait là montrer que valeur tamboua patrimoine tamboua parce que Haïti Thomas il est culture la dame donc son gros bagage là on vient dans pays ça c'est fait tambou même si comme qu'a dit en grand plan religion vient vous êtes en bois, j'ai ton côté. Mais même pas nouvelle, j'ai ton côté, il parle toujours là. Je dis à la nous démontrer que tout rite qui a perdu, nous rémunérer, nous font d'al jeune cap, je t'en boucle pas de con rite, nous disons mais. Déclaration politique du forum de la coalition des acteurs de la société civile, CAS, et la mise en place du comité de suivi de cette déclaration, la commission pour la recherche d'une solution à la crise, CRFSHC, a pu travailler dans la sérénité sur une base consensuelle. Pour, d'abord, obtenir l'accord du 30 août, dit le Montana, signé par 949 organisations de la société civile, des organisations populaires, des regroupements et partis politiques et des personnalités d'horizons divers. Ensuite, monter le bureau de suivi de l'accord, regroupant, ce que nous avons bien signalé, des représentants des partis politiques, des représentants de la société civile et des représentants des organisations populaires. Et surtout, la mise en place aujourd'hui du Conseil de transition, composé de 46 représentants des organisations de la société civile, des organisations populaires et des partis, ou des regroupements de partis politiques signataires de l'accord. Tout en continuant à élargir le consensus déjà trouvé avec d'autres forces politiques, le bureau de suivi de l'accord poursuit l'application de l'accord par la réalisation au second degré des élections de l'exécutif de transition par le CNE. Nouvelle responsable Baro Port-au-Prince et organisation Avocats sans frontières dressé bilan 3 jours formation réalisé en faveur avocat Port-au-Prince. D'après dirigeant organisation ça thème qui te débat qui te permet avocat enrichi connaissance. Un extrait. Au premier 3 jours, les avocats du Baro de Port-au-Prince ont eu l'occasion de revoir l'ensemble des règles liées à la déontologie, à l'éthique, donc avec les formateurs qui étaient Maître Léon Saint-Louis, qui est le président de la commission scientifique du barreau de Port-au-Prince, avec le Maître Lemieux, qui est avocat et professeur à l'école du barreau du Québec et qui est aussi une spécialiste en déontologie. Les participants ont eu l'occasion de revoir les règles liées à la déontologie et à l'éthique. Et les participants ont aussi eu l'occasion de réfléchir sur comment les adapter à la réalité très difficile qu'ils vivent et en Haïti. Et c'est vrai que
et vous le savez aussi, nous le vivons tous, que l'accès à la justice est extrêmement difficile. Et la question de la communication et des avocats avec le public, la communication des avocats à travers les médias ont été soulevées. La question liée aux honoraires, donc tous les points sensibles et toutes les difficultés auxquelles les avocats sont confrontés dans la pratique quotidienne de la profession ont été analysés durant ces trois jours. Il s'agit donc d'une belle collaboration tripartite que nous avons initié maintenant depuis 2020. Donc, il s'agit de la deuxième édition d'une formation portant sur une thématique extrêmement importante pour nous et pour notre partenaire, l'Ordre des avocats des avocats de Port-au-Prince, donc, qui porte sur la thématique de l'éthique et de la déontologie. Donc, on est très fiers là, de nous associer à cette formation extrêmement importante. C'est vraiment basé sur le principe de la subsidiarité. Donc, il s'agit vraiment d'une formation et d'une collaboration tripartite qui a été initiée sous le leadership du barreau de Port-au-Prince. C'est vraiment son initiative initiale. Et il était important pour toutes les parties prenantes de cette formation que cette formation soit ancrée dans la réalité haïtienne. Il existe des outils ici en Haïti sur l'éthique et la déontologie, le décret de 1979, le code de déontologie de la profession d'avocat. Et on souhaitait vraiment, donc, la formation a vraiment été conçue pour faire en sorte qu'ils répondent à des préoccupations des avocats ici en Haïti, qui, dans le cadre de leur pratique, rencontrent certains défis d'ordre éthique et de déontologie. Nous besoin redoubler d'efforts pour améliorer la situation du Amoun en Haïti. Ces déclarations du Premier ministre, Dr. Ariel Henry, fait à l'occasion de la commémoration Journée internationale du Amoun, le 10 décembre. Protection du Amoun doit être exercice tout le temps pour assurer chaque citoyen capable de jouer totalement droit fondamental. Dans l'occasion de ça, le Premier ministre Ariel Henry fait connaître protection et promotion du Amoun, c'est une priorité gouvernement liant pendant les croix. C'est tout le monde qui concerne. Nous pas qu'à suspendre le travail, c'est en bas comme ça, 15e édition artisanat en fête réalisée. 11 à 12 décembre 2021, rendez-vous a été cassé dans Taraz La Boule, côté plusieurs artisans et exposé Zervio. D'après ça, quelques maillots expliqués, situation sociopolitique là fait un mauvais impact sur l'activité culturelle à Messa à cause de mon yo qui pas fait déplacement en quantité. Participants ont souhaité autorité rejoindre solution à la crise là pour faciliter secteur artistique à culturelle là retourner normalement. John Herbie Kasey. Nous ne pas déplacer vraiment et nous pas comprendre pas déplacer mais nous tout nous pas comprendre vous comprenez ça fait nous pas déplacer donc c'est ça qui est comme si nous bon nous travaillons après comme si lancement artisanal en fait mais d'ici là 22 jours ouais dans des travaux artistique qui t'a gagné la caille parce que pas bon parce que c'est peut-être touriste ça après un peu coup si de vous nous même qui le domaine artisanal là bah j'ai dû pas de support. Vous comprenez? Il n'y a pas plus de plus dans le secteur touristique. Nous vraiment senti nous sommes pour nous, nous sommes bien parce que ces artisans nous sommes là nous faire ensemble avec tout cœur nous, avec un peu de passion, malgré la situation pays en janvier, mais quand même, nous là et malgré tout, nous sommes capables de nous satisfaire. Le message que je suis capable de dire et lancer pour vous, c'est toujours qu'un bien par la guerre. Toujours motiver le public plus toujours et sensibiliser les gens plus toujours avec un pile précaution pour participer à l'artisanat en fait qui c'est un rendez-vous incontournable. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.